Ok les gars, nouvelle boutique du 27 juin, enfin l'arrivée des skins Toy Story, du coup la tenue petit soldat qui est disponible au prix de 800 bucks. Alors du coup on a deux petits styles à disposition, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça fait plaisir. Du coup bien entendu on va se le procurer, code Hélène, vous connaissez Max avec les personnes qui l'utilisent. Ensuite du coup la guerrière de plastique qui est dispo au même prix, du coup 800 V-Bucks, les mêmes petites customs qui sont à disposition. Ok, du coup on achète aussi. Oh, ça faisait un petit moment qu'on les attendait ceux-là. Du coup après, le revêtement jouet vert. Ok, donc il vaut 400 V-Bucks parce qu'en fait on a deux revêtements en un. Ok, donc ça c'est le revêtement vert. Et du coup revêtement gris. Ok, ok, ok. Bon, du coup, on va acheter. En tout cas, ça fait hyper plaisir que leur petite arrivée. Il n'y a pas d'outil de collecte. Non, ok, ça marche. Ensuite, du coup, on a la tenue Vélocité qui est disponible au prix 2000 V-Bucks. On va continuer ensuite avec la tenue Rapace qui fait son retour, qui est dispo du coup au même prix, 2000 V-Bucks. Ok, jusque-là, ça marche. Le planeur Bombardier qui est dispo au prix de 1200 V-Bucks. Ok, du coup, logiquement, l'outil de collecte Boisson Soif qui est dispo au prix de 1005. Ok, du coup, ça marche là-dessus. Ensuite, un nouvel outil de collecte. Ok, l'embrocheuse. Ah ouais, je pense que ça va avec la danse, du coup, qui est sortie hier. Ok, 800 V-Bucks, on achète. Plutôt original, en tout cas, celle-là. Plutôt sympa. Ensuite, la limo désossée, qui fait son retour, qui est dispo au prix de 500 V-Bucks. Ok, basique, on connaît. Ensuite, la tenue Elvira, qui fait son retour, qui est dispo au prix de 1005. Ok, ça marche. Nimo de paillettes. Ok, qui est dispo au prix de 500 V-Bucks. Ensuite, du coup, on attaque la dernière ligne Nimo de old school. Beaucoup de Nimo, hein, j'ai l'impression quand même dans cette boutique, non? Ok, en tout cas, Nimo de old school qui est dispo au prix de 500 V-Bucks. Et du coup, enfin, pour terminer cette boutique, la tenue Nocturna qui fait son retour et qui est dispo au prix de 800 V-Bucks. Du coup c'est tout pour cette boutique, n'hésitez pas à la noter sur 10 dans l'espace commentaire, pensez à poser le petit like, pensez à vous abonner, bonne journée à tous, peace.